Good morning, allez, Iden, l'étude sera aujourd'hui, le lundi matin, Mamina Ben Khana, Peggy Batester, Zara Bat Mazal Tov, Shish Portish, Simon Batlaouni, Michel Novikov. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions la code Peri Gimel Mishnah Tetvav. Kol Chayevek Retot, Shelaku, Nifteru, Yede, Kritatan, Shenemar, Venikla, Achicha, Leenecha, Kshelaka, Arehu, Kachicha. Divrei Rabbi Hanania ben Gamliel. Amar Rabbi Hanania ben Gamliel, ma ima oved aover avera achat notel nafsho aleha. Haose mitzva achat al achat kama vekama shetinaten lo nafsho. Rabbi Shimon omer mimkomo ulamed sheneemar venichretu hanefashot haosot mikerev ama veomer. אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כל היושב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. רבי שמעון ברבי אומר, הרי הוא אומר רק חזק לבלתי יכול אדם, כי אדם הוא הנפש. מה עם אדם שנפשו של אדם קצה ממנו, הפורש ממנו מקבל שכר? גזל והריות שנפשו של אדם מתאווה להן ומחמדתן. הפורש מהן על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. משנה קיבה, on a fini de parler concrètement de Malkout et on va parler maintenant un peu plus de Moussar, de Agada avec כל חייבי קריטות של הקו, כל לחיובי קרט, même un חיוב קרט של הקו qui ont reçu sur eux les malkout. Comme on avait appris, chaque chiyuv karet, dans tous les endroits, la Torah elle a dit qu'on est chayav karet, le retranchement par le ciel, de mourir avant 50 ans, pour celui qui ira avec une femme nida, par exemple, ou qui transgresse le Shabbat, sans être prévenu par des témoins. Donc tout ça, ce sont des chiyuv kritout. Et bien il faut savoir que, im lakou, s'ils ont reçu les malkout, donc on ne peut plus parler du Shabbat, on va parler de celui qui ira avec une femme Nida. Ouais, celui qui va avec une femme Nida, même avec Bémézid, en étant prévenu par des témoins, eh ben on n'est pas passible de mort par le Beth Din. On est passible uniquement de Malkout. Eh ben la Mishnah nous enseigne, dès qu'on a été frappé, flagellé, Nifteru Yedek Ritatan. Si on a fait Tshuva, bien sûr. On a fait Tshuva et on a reçu les Malkout en réalisant qu'il fallait faire Tshuva, qu'on a transgressé une grave Avera. Nifteru Yedek Ritatan. On a été par cela acquitté, dispensé de ce chiyuv karet. Ouais, on a acquitté, mais le ciel nous a dispensé. Shenemar, comme le pasuk nous dit, Venikla achicha le'enecha, que tu ne le frapperas pas plus. Parce que si tu vas le frapper plus, Venikla achicha le'enecha, ton frère se fera humilier devant tes yeux. D'accord? Ça c'est littéralement. Mais pourquoi tu l'appelles ton frère? Un rachat, c'est pas ton frère. C'est une grande règle dans toute la Torah. Achicha s'achicha b'mitzvot. Réponse. Parce qu'une fois que Nikla, qu'il a été humilié et rabaissé en recevant ses malkout, il est devenu achicha. Il est devenu considéré comme si c'était ton frère. Il est devenu ton frère Bemizot. Kshelaka, depuis le moment où il a été frappé, Aruka achicha. Depuis le moment où il est frappé, il est considéré comme ton frère. Il a été dispensé de son chiyuv karet. Il a été blanchi par le ciel. Divrei Rabbi Hanania ben Gamliel. Tel est la vie de Rabbi Hanania ben Gamliel. Amar Rabbi Hanania ben Gamliel. Rabbi Hanania ben Gamliel maintenant vient et nous enseigne quelque chose de nouveau. Uma ima over avera achat notel nafsho alea. Si déjà il va nous faire un kal vachomer. Regarde dans la Torah. Ma ima over avera achat. Lorsqu'il transgresse une avera, notel nafsho alea, il doit la payer au prix de sa vie. Aose mitzvah achat. Celui qui fait une mitzvah, n'est-ce pas, à la chat kama vekama shetinaten lo nafsho, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'il faudra lui donner une vie supplémentaire, concrètement, grossièrement d'abord, et puis après on va expliquer qu'est-ce qu'il est venu dire précisément. Grossièrement, il nous dit, regarde, de manière générale, tu sais bien qu'Hachem, grande règle, Hachem veut plus faire du bien à ses créatures plutôt que de les punir. On a déjà rapporté que c'est-à-dire pour faire garder une bonté pour ensuite
gratifier la descendance de quelqu'un qui fait quelque chose de bien, Hachem, il lui promet 2000 générations. Pour les 2000 générations à venir, il lui gardera le chesed. Tandis que pour la averot, al-shil-shim, val-ribe-im, le-son-e-ay, Hachem, il ne punit que jusqu'à 3 ou 4 générations. Soit Hachem veut faire du bien jusqu'à 2000 générations pour une bonne action, et pour une mauvaise action, il punit jusqu'à 4 générations. Le rapport entre 2000 et 4, ça fait 500 fois plus. On apprend de là que Meruba, Midatova, Mimidat pour Anout. L'Hachem cherche plus à faire du bien, 500 fois plus qu'il cherche à punir celui qui transgresse. Et alors maintenant, vient Rabbi Chanina ben Gamliel et nous enseigne. Regarde, si pour une Avera, Hachem te dit de frapper jusqu'à même quitte à mourir. Parce que quand on frappe, des fois on peut le frapper et lui donner le malcoute au point où il va mourir, comme ce qu'on évoquait dans la mission précédente. Ouais, on l'avait estimé de manière trop juste, par exemple, et finalement, aujourd'hui, il était en mauvaise forme, et il est mort plus tôt. Parce qu'il a fait une avéra de la Torah. Tu te rends compte? Eh bien, déduis de là que qu'est-ce que ça va être quand tu vas faire une mitzvah, combien en théorie, tu devrais... C'est-à-dire, si pour une avéra, tu peux payer au prix de ta vie, alors quand tu vas faire une mitzvah, on devrait te donner une vie supplémentaire. Voilà le sahar d'une mitzvah. D'accord? Ça, c'est le principe général. Il y a une petite finesse de comprendre qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner plus précisément. C'est-à-dire, concrètement, de qui on parle qui fait une mitzvah? Est-ce qu'on parle général à toute personne qui fait une mitzvah? C'est comme ça que la Mishnah semble parler, et même la suite de la Mishnah, elle va être, c'est forcé que ça va être ça, le pshat. Il y a, quand même, je le mentionne, parce qu'on va le voir dans le Bar Tanoura, mais très rapidement, sans s'en rallonger dessus, il y a une autre manière de lire, qu'on parlerait de celui qui fait une mitzvah, c'est-à-dire celui qui accepterait sur lui de recevoir les malkoutes. Soit le Rabbi Chanina ben Gamliel se rapporte sur le début de la Mishnah, on apprit qu'en faisant une Mishnah, qu'en recevant les malkoutes, alors Hachem nous expie la faute, et c'est ce qui vient déduire par son Kal Vachomer, que si quand tu as fait une Avera, tu dois recevoir des malkoutes, quitte à en mourir, lorsque tu vas faire une mitzvah de recevoir les malkoutes, Be'ahava, de recevoir avec Ratzon, avec volonté, de recevoir les malkoutes, de recevoir la condamnation du Beit Din. Alors combien plus forte raison que par cela on va t'effacer ton karet pour te donner une vie, d'accord? C'est déduit, c'est une belle explication en soi-même. Le seul problème, c'est que la suite de la Mishnah elle s'emboîte moins bien selon ça, d'accord? On va pas rallonger dessus. Tout est vrai, grande règle, quand on étudie la Haggadah, tout ce qui est juste en soi-même, ça peut rentrer dans la Mishnah, on n'a qu'à le dire, il n'y a pas de problème. C'est vrai que j'ai déjà entendu ça. Rabbi Shimon nous enseigne maintenant. Mimkomo Mukha, ce n'est même pas me dire que quand tu fais une mitzvah, tu dois mériter une vie entière pour faire une mitzvah. C'est même pas la peine de ramener ton Kal Vachomer. Moi, je te le dis que c'est écrit explicitement dans le Passouk. Mimkomo Lamed, depuis là où il est écrit, le Passouk te tourne. Utilise une tournure qui te prouve que tu mérites la vie pour le simple fait que tu fais une mitzvah. Chez Nehemar, comme le pasuk nous dit, Venichretu anefashot haosot mikirevama, ça a été dit sur les arayot, les lois de l'inceste, qui, dans certains cas de figure, on est passible de chiyuv karet, de retranchement par le ciel, mourir avant 50 ans, sans enfant, on avait déjà évoqué. Et bien, là-bas, il y a marqué, juste à la fin, Elea chokim bamizot, je ne sais plus comment c'est dit, mais en tout cas, Asher yaseotam haadam vachaybaem. Tels sont les chukim, les lois, les préceptes que l'homme fera va chay ba'em, il vivra en elle. Ouais, c'est une dracha. Là, on apprend la fameuse loi du qu'il faut pas pikuach nefesh entre dochekol la Torah, puisque la Torah m'a dit que je te donne une mitzvot pour que tu vives à l'intérieur d'elle. Mais le pasuk, le Rabbi Shimon, il met le doigt sur une tournure particulière du pasuk, que le pasuk nous dit lorsque tu feras les mitzvot, tu vivras. Donc, en faisant une mitzvah, je reçois de la vie. C'est ce qu'il dit, c'est explicite. Ta déduction, toi, Rabbi Chanina ben Gamliel, regarde qu'elle est explicite dans le pasouk. Ha, de là j'apprends. Kol ha-yoshev, mais c'est même pas la peine de faire une mitzvah. Pourquoi? Puisque ce pasouk, il nous parle des harayot. Il nous parle de celui qui ferait une inceste avec les différents cas évoqués. Une yachatiche, par exemple, une femme mariée. Celui qui va avec elle, il est passible. Une femme nida, d'accord? Une femme nida. Celui qui va avec elle, il est passible de retranchement. De là, tu déduis, et le pasouk nous dit. Et tels sont les préceptes à respecter, que l'homme devra respecter et il vivra. J'apprends de là que c'est même pas la peine de faire une mitzvah active, positive, pour recevoir la vie.
Même Hakol Yoshev Lo Avar Avera, tout celui qui s'assoit sans transgresser une Avera, le simple fait que je reste passif, que je transgresse pas une Avera alors que j'en étais tenté, bien évidemment. Notnim lo sachar ki osé mitzvah, et ben on me donnera le schar, le salaire, comme si j'avais fait une mitzvah. Soit quelque chose qui me tente, une nourriture interdite, une femme interdite, ça peut être le cas aussi. Et je me détourne de ces pensées, je dis non, c'est assourd, et je vais tout de suite faire autre chose. Je vais étudier de la Torah pour chasser les mauvaises pensées. Je vais même aller voir jouer à un jeu bête du téléphone, d'accord ? Un truc tout bête. L'essentiel, c'est de ne plus se faire mijoter les pensées de la Vera. Comme ça, on va plus être tenté et on va passer à autre chose. Et ça y est, on a réussi à repousser complètement à la Vera. Regardez, j'étais tenté par une Vera et je me suis retenu et je suis parti faire autre chose, comme ça je transgresse pas la Avera, et ben on va me donner un schar kosé mitzvah, un salaire comme si j'avais reçu une mitzvah, et que pour avoir passivement ne pas avoir transgressé la Avera, on va me donner une vie, puisque si j'avais transgressé, selon le même principe, selon Rabbi Shimon, c'est explicite dans les psukim, selon Rabbi Hanan ben Gamliel, c'est déduit par logique, selon Rabbi Hanan ben Gamliel, ouais, je rapporte, ça me plaît tellement ce qu'il a dit, que si tu transgresses, tu es chayav karet. Quand tu te retiens de transgresser, tu te retiens de transgresser. Hachem est là, il va t'adorer, il va te dire je vais te donner la vie, d'accord ? Rabbi Shimon dit, c'est écrit explicite, va chaybaim, tu recevras de la vie par cela. Rabbi Shimon bar Rabbi Omer, Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, enseigne encore une autre halakha, une autre règle de Moussar. Aré ou Omer, de penser. Aré Omer, le pasouk nous dit Rak Chazak Livilti Achol Hadam Ki Adam Wan Nafesh. Un pasouk dans Dvarim qui nous dit soyez bien méticuleux à ne pas manger le sang. On n'a pas le droit de manger de la chair dans laquelle il y a du sang. On a le droit de manger de la chair d'un animal, on le fait la shrita, on veut manger sa chair, le faire cuire, il faut d'abord faire la melicha, le salé. Ouais, de nos jours on fait ça directement à la boucherie. Ou avec le sel, on fait sortir tout le sang de l'animal, tout le sang assourd. Ou bien on le fait griller, c'est encore une autre solution. Et la Torah me dit, soyez bien fort, fidèle à Hachem, de ne pas manger le sang. Et alors lui, il se lève quelque chose de très étonnant. Il nous dit, mais c'est quoi cette histoire? De ne pas manger du sang? Ça vous dit de boire un verre de sang? On se fait un petit lechaïm pour le sioum de Makot? C'est dégueulasse, c'est écœurant. Et quoi, regarde le sang, qui est quelque chose que naturellement l'homme est répugné de ça. Il a pas. Ouais, Nafshoshel Adam, Katsam Imenu, il est écœuré de ça. Et malgré tout, la Torah, elle me dit Aporesh Mimenu Mekabel Sachar, celui qui s'écarte de boire du sang, qui va dire mais non, je vais pas boire ça, c'est. La Torah, elle veut pas que je le boive, c'est. Alors Aporesh Mimenu Mekabel Sachar, la Torah, elle m'a dit Rak Chazak, elle m'a dit soyez fort pour ne pas le faire, et donc vous allez le recevoir par cela. Du mérite, parce que vous n'avez pas bu le sang. Alors, et ça c'était pour une avéra que naturellement, tout celui qui est bien équilibré, il s'écarte de ça. Ouais, certes, il y a des fous, je sais qu'ils se boivent les chaïms en se faisant des verres de sang, peut-être, mais en tout cas, les gens normaux, naturellement, ils s'écartent de tout ça. Et malgré tout, la Torah m'a dit non, il y a une mitzvah en cela, et tu t'écartes d'elle et tu recevras un mérite. Gezel va'arayot. Alors, la convoité, l'argent de l'autre. Va rayot, l'inceste, les femmes de l'autre, la femme de l'autre. Que naturellement le cœur de l'homme, l'âme de l'homme, et les désirs, les convoitent. Alors, si toi tu vas te retenir à Poreshmen, tu vas te retenir de ne pas les transgresser. Alachat kama vekama, combien plus forte raison, shiskelo, qu'il héritera pour lui, Uldorotav, et pour ses descendances. Jusqu'à la fin des générations à venir, il recevra tellement de bienfaits d'Hachem de s'être écarté de tous les. De ne pas. Il s'est dit non, ça c'est de l'argent interdit, c'est sale, c'est pas propre, je m'en écarte. Ça c'est une femme qui m'a interdite, je m'en écarte, je me détourne, je ne veux même pas l'approcher, je vais vite me faire autre chose, comme ça je fuis la Vera. Combien plus forte raison qu'il devra recevoir du mérite pour lui et pour toutes ses descendances. D'accord, on a fini la Mishnah, on fait très rapidement le Bar Tanoura. Nifteru mide kritatan, il manque une lettre chez moi. Dans la Mishnah, il y a marqué kritatan. Celui qui a reçu les malkoutes en faisant tshuva, comme le Bar Tanoura va nous dire.
alors il est dispensé de son chiyuv karet, du retranchement. Im asu tshuva, bien sûr, s'il a fait tshuva auparavant. Par contre, s'il est resté comme ça, rebelle, et qu'il a dit, oh, vous, les religieux, et on lui a mis les coups, il a dit, je vous maudis, bah, on lui met, on lui met, on lui met, il reste encore bemerdo, en train de... avec son rébellion, lui, il aura encore son chiyuv karet. Aose mitzvah achat, alachat kama vekama. Celui qui a accompli une mitzvah, comme l'un plus forte raison. Alors là, le Baton Rav va nous expliquer les deux manières de lire Rabbi Hanina ben Gamliel. De quelle mitzvah on parle? Une mitzvah en général, ou bien spécifiquement la mitzvah de recevoir les malkout gaiement, aussi mal, même si ça fait mal. Alors, idem mefarshed, al-chayev ekritut shelakou kamar. Il y en a qui expliquent que Rabbi Hanina ben Gamliel parle du chayav karet, de celui qui est passible de retranchement, qui a été frappé en faisant tshuva. Mish kibel alav adin ve'asam mitzvah kshelaka. Celui qui a accepté sur lui la difficulté de la mitzvah de recevoir les malkout, mais il a dit, il a bien compris qu'Hachem lui reproche, et Hachem lui reproche, et ben qui me donne, et j'accepte, et je fais tshuva. Alors combien plus fort raison, de lui on va déduire, la khatkama avec kama shetinaten le nafsho, combien plus fort raison qu'il devra lui mériter de recevoir la vie, d'être expié complètement son chiyuv karet. Vipater midé karet, par cela il va être complètement dispensé de son karet. Chez midatova, mais robal midat pour un autre, comme ce qu'on apprenait, que la midatova, les. Hachem veut plus faire la mida tova. Littéralement, c'est la mesure avec laquelle Hachem déverse le bien, elle est plus grande que la mesure avec, avec laquelle il déverse les petites les malheurs. Soit, imaginez, je veux vous jeter, je suis content de vous, je veux vous jeter de l'argent. Je vais prendre un clé, un ustensile bien gros pour vous en envoyer. Donc, je vais vous envoyer plein. Ça, c'est ce qu'on appelle mida tova. La mida de la tova, elle est grande. La midat pour un autre, c'est quand par contre je suis fâché, je vais vous jeter de l'eau chaude, je vais prendre un tout petit verre pour vous jeter. D'accord? Ça c'est le. Juste pour expliquer c'est quoi midat ou va, midat pour un autre. C'est Hachem, il nous déverse avec ses midot. Veïdem et fâché. Il y en a qui expliquent autrement que Rabbi Hanina ben Gamliel ne parle plus du chiyuv karet, mais il parle de manière générale sur toutes les misot. Des miltab bape nafshe kamar, une chose indépendante à part entière, il dit. Les hodia matan sranjel misot, pour nous enseigner le mérite. Le salaire que recevra celui qui accomplit les mitzvot, kal vachomer me'onchan shalaverot, à plus forte raison, il le déduit à plus forte raison des punitions de celui qui renseigne une avera. Mimkomo la maître Rabbi Shimon, lui, déduisait que c'est pas une déduction par kal vachomer, par a fortiori, mais c'est explicite dans le pasuk. Mimkomo la maître, c'est explicite dans le verset. Mechayev ekritut da'ire ba'u, que là-bas on parle du chiyuv karet, des arayot, des incestes. À nous les Médines, nous apprenons de là-bas, Shayoshev, que celui qui reste assis, Velo Avara Vera, il n'a pas transgressé de Avera. Ma'alin alav sachar keose mitzvah. On lui donnera un mérite comme si qu'il avait accompli une mitzvah gigantesque. Dirtiv Barayot, car le pasuk nous dit, dans les incestes, les femmes interdites, Venichretu anefashot, et elles seront retranchées, les femmes, les personnes, les âmes. Qu'est-ce que j'ai avec les femmes, les pauvres? Les âmes! Qui transgresse des interdits, mais Omer, le pasuk nous dit, se finit là-bas en nous disant, Asher yaseh otam adam v'chay baim. Celui qui les accomplira, et il vivra en elle. Vesa mukhle, lotikrevu le galot erva. Et le pasuk continue en nous disant là-bas, vous ne vous approcherez pas pour dévoiler leur nudité. Are, tu déduis là, chez Mishé Yoshev, ve'eno megale erva, que celui qui reste assis et ne dévoile pas de nudité, c'est-à-dire ne transgresse pas d'interdit d'inceste. Akatuv koro ose mitzvah, le pasuk l'appelle explicitement comme si qu'il avait fait une mitzvah, même s'il n'a rien fait, il n'a pas juste, il n'a pas transgressé, et tu considères qu'il a fait malgré tout. Vektiv be vachay baem, le pasuk nous dit vachay baem, il vivra en elle. Kederer she nish karet be mish ose avera, aussi bien qu'il a puni de retranchement, de le tuer avant l'heure, par le ciel, le retranchement. Be mish ose avera, pour celui qui transgresse une avera. Et donc, au même titre que lui, il doit mourir. Celui qui s'est retenu de faire la vera, lui vivra. On ne parle que du cas où la personne, la avera s'est présentée à lui et il s'est retenu. Il a retenu son yitzhara, mais l'oasa, il ne l'a pas transgressé. Comme Yosef Hatzadik, qui a été tenté par la femme de Potiphar et qui s'est enfui. Mais ce n'est pas dit sur n'importe quel homme. Si je suis... d'accord? Chacun, bien sûr, selon son niveau, là où il va savoir qu'il risque d'être confronté, tenté par la faute,
s'il va faire en sorte de ne pas partir pour fuir la faute, eh bien, il aura accompli la mitzvah, tout simplement. D'accord ? Il aura accompli la mitzvah qu'il accomplit passivement et il méritera par cela la vie, Bezrat Hashem, avec pour demain, Besiyata Dishmaya, le siyum de Makot, avec la dernière Mishnah, comme on le verra, comme tout, c'est là, on vous